Certains films marquent par leur maîtrise d'un style, d'autres par leur envie d'innover, et certains cherchent simplement à retranscrire un temps fort de l'humanité. Indéniablement, de nombreux auteurs ont cherché à le faire avec le temps, que ce soit au tout début de la création du 7e art, où des auteurs s'imaginent explorateurs de l'espace, ou simplement choisissaient de remettre en scène des événements qui ont forgé une nation ou un pays depuis ses débuts, et le cinéma donne envie à ses auteurs, ses créateurs et ses concepteurs de parler de ce que l'humain peut faire, a fait ou pourrait faire. De tout temps, cela a été le cas. Dans tous les genres, les cinéastes de tous les pays du monde ont souhaité faire d'un événement, réel ou fictif, le témoin d'une évolution de notre époque, ou simplement de nous-mêmes, pour construire une œuvre ne cherchant pas simplement à être divertissante, mais cherchant également à parler d'un moment T qui a eu un impact profond sur le cinéaste aux commandes ou sur les spectateurs visés par le projet en question. Ces cinéastes ont parfois totalement dominé le sujet, parfois se sont peut-être un peu perdus dans la démarche, mais ont en tout cas supporté une certaine idée du 7e art qui encore aujourd'hui forge les grands auteurs de notre temps. Et le film qui m'intéresse aujourd'hui est un projet qui fonctionne parce qu'il met en scène un épisode singulier et magnifique de l'histoire de cette humanité. Un épisode qui a cristallisé un conflit, mais qui a également su démontrer à quel point l'humain, lorsqu'il est face à l'inconnu, est capable de tout tenter pour laisser une trace indélébile et forte au sein d'une histoire qui ne retiendra que les grands, ceux qui avaient un petit truc en plus pour réussir à dominer un temps ou une mission qui sera le début d'un renouveau ou d'un commencement pour ses prochains. Et en 1983, Philip Kaufman, immense scénariste dont le nom ne vous est peut-être pas inconnu, a souhaité raconter l'histoire de sept hommes. Sept Américains qui ont marqué l'humanité par un exploit fou, mais aussi d'un autre homme qui a toujours été dans leur ombre, mais qui les a indirectement aidés à avancer pour un moment de cinéma légendaire qui représente pour moi un sommet de 7e art rarement atteint par les auteurs de notre temps pour une œuvre pharaonique, mais d'une telle inventivité et maîtrise que l'on ne peut que l'admirer. Un métrage phare des années 80, un peu trop tombé dans une forme de désuétude à mon goût, mais qui mérite clairement son statut de chef-d'œuvre tant il a su dominer son sujet, emporter avec lui une émotion rare et donner lieu à un grand film. Plongeons donc ensemble dans ce qu'était le projet Mercury et découvrons ensemble l'étoffe des héros. Car il faut savoir qu'à la base de ce projet, il y a un roman dense et extrêmement complexe. Un roman composé par l'ancien journaliste Tom Wolfe qui voulait raconter, en mélangeant fiction et hyper-réalisme, le cheminement de ces hommes, venant souvent des bases aéronautiques des quatre coins des États-Unis jusqu'à une plateforme de lancement, les propulsant dans l'espace, sans être sûr de pouvoir redescendre à un moment sur la terre ferme. Kaufman choisit de prendre la base extrêmement dense donc de ce roman, composé de chapitres relatant des faits plus que narrant le récit de ces hommes, et tire donc une essence extrêmement cinématographique en jouant sur la forme et la force de ces différents personnages pour donner lieu à une écriture ne se reposant jamais sur la simple forme de cette aventure, mais cherchant à donner lieu à quelque chose de plus qu'à une aventure hors norme, mais également une aventure humaine, où chacun de ces héros a un point fort à donner à son avancée. Il est bon de rappeler que la place forte que choisit de donner Kaufman à Yeager est également très absente du roman, et donc en ce sens, ce choix de montrer l'évolution du voyage spatial en comparaison avec l'évolution du premier homme à avoir brisé le mur du son apporte une densité et une intensité à l'ensemble de l'écriture qui fascine. Bien plus encore que d'être maîtrisé, c'est un vrai tour de force d'avoir su tirer autant d'un roman qui a été factuel avant d'être romanesque. Kaufman a fait un travail imposant qui se ressent à chaque seconde de la narration. La filmographie de Kaufman est extrêmement méconnue de la part du grand public, mais elle est très surprenante quand on prend le temps de s'y plonger. À la base, Kaufman est surtout connu pour avoir coécrit Les Aventuriers de l'Arche Perdue, mais il est un auteur qui a toujours cherché à se renouveler dans son travail de mise en scène, commençant avec le western, pour osciller entre drame, aventure, horreur, épouvante ou film romanesque, comme c'est ici le cas. Lorsque l'on regarde la densité et l'ampleur de son travail de composition, c'est là que l'on se rend compte que le cinéaste n'a pas simplement cherché à correctement mettre en relief ses personnages, mais a surtout cherché à leur donner un contexte, une évolution, une densité dramatique imposante qui se ressent dans la manière avec laquelle il construit son premier acte, comme une grande chevauchée faite par un précurseur, cherchant à dépasser les limites de l'homme non pas pour l'argent ou pour le succès, mais simplement pour la fameuse étoffe du titre. C'est dans ce premier acte que Philip Kaufman cristallise tout ce qu'il veut construire dans l'évolution de son métrage et qu'il donne aux spectateurs à réfléchir sur la véritable motivation de ces hommes, ne cherchant pas forcément une gloire ou une forme de prestige, mais simplement une reconnaissance de ce qu'était leur statut, soit des hommes risquant leur vie pour le bien de l'humanité. Cela peut sembler simple,
mais cela donne tout son sens à la mise en scène du réalisateur américain. Pour iconiser des personnages, il faut bien évidemment s'entourer du bon compositeur. Bill Conti n'est pas forcément un compositeur que tout le monde connaît, loin de là même. C'est avant tout un homme derrière pas mal de thèmes, mais surtout un auteur qui a su apporter une forme de nouveauté à pas mal d'éléments qui commençaient à dater dans le monde de la bande originale de films, un peu dans la même veine que Moroder dans la fin des années 70. Ce travail sur le film de Kaufman est juste hallucinant de maîtrise, car le compositeur a su totalement cerner en quelques notes comment mettre en avant la forme du titre, la puissance de ses personnages et l'intensité de cette quête risquée qui pour autant représentait une forme de victoire au cœur d'une guerre qui reste encore aujourd'hui très énigmatique pour un instant musical qui reste gravé dans ma mémoire. Que ce soit le thème principal tout simplement magnifique ou la puissance de l'épopée de Glenn dans l'espace, un thème de 7 minutes tout simplement magnifique et constamment en montée, le compositeur se donne à fond pour donner lieu à un travail de composition qui se couple parfaitement avec ce que Kaufman cherche à mettre en relief. Dans le genre musique qui plonge le spectateur dans le film, on est en plein dedans. De ce côté-là, c'est hallucinant à quel point Kaufman a trouvé les bons acteurs pour les bons rôles. Je pourrais vous citer tous les membres de ce casting tellement ils sont hallucinants de justesse, mais je souhaite surtout en retenir 4, les 4 plus importants et forts à mes yeux. Sam Shepard dans le rôle de Chuck Yeager est merveilleux, l'acteur se dépassant à chaque scène, apportant une densité et un charisme indéniable à ce héros, et surtout parvenant à dominer le côté bourru du protagoniste pour en faire un chevalier du ciel tout simplement renversant et extrêmement attachant. Scott Glenn en Alan Shepard est excellent, l'acteur parvenant à porter le côté très élégant mais également décalé de ce héros qui a toujours fasciné par sa double facette d'astronaute et que l'acteur parvient à totalement sublimer ici par une prestation renversante. Ed Harris dans le rôle de John Glenn est très certainement l'acteur qui a le plus marqué à l'époque, tant il parvient à rendre ce héros très américain aussi fragile que charismatique, et en ce sens, c'est par le biais de cela qu'il a su imposer une prestation à fleur de peau, mais toujours extrêmement juste. Et enfin, il y a Dennis Quaid, immense en Gordon Cooper, ne faisant pas que charmer tout le monde avec son sourire ravageur, mais incarnant à merveille le jeune premier cherchant à s'imposer, mais devant également faire preuve d'humilité. C'était un rôle taillé pour lui et il a su totalement l'emporter. C'est un casting impérial où ces 4 acteurs en sont le symbole parfait. Quand j'étais plus jeune, c'est mon père qui m'a fait découvrir ce long métrage, qui me semblait complexe à aborder pour mon âge, étant donné que le film est un poil long. Mais rapidement, il a su rentrer dans ma mémoire comme une œuvre à part. C'est un film fascinant, de son début quasiment proche du western, à sa fin allant chercher des élans dramatiques et héroïques proches de Jules Verne, avec ses fusées et ses avions supersoniques, qui font que cette œuvre ne ressemble à aucune autre dans son genre. Bien plus encore que d'être une épopée fantastique et romanesque, c'est aussi un drame humain très bien réfléchi sur le poids de la gloire et de l'histoire, sur les épaules d'un groupe d'hommes, cherchant surtout à démontrer ce qu'ils valaient et ce qu'ils étaient, dans un temps où on leur imposait d'être l'Amérique avec un grand A, et d'être aussi tout ce que ce symbole voulait dire derrière. Philip Kaufman a livré au cinéma américain un immense projet de cinéma qui reste encore aujourd'hui l'un de mes grands films de chevet et qui surtout à mes yeux est un immense chef-d'œuvre, rare, intense, iconique et romanesque comme on n'en fait plus aujourd'hui. C'est brillant, c'est fou, c'est renversant même et ça vous marquera dès la première fois que vous poserez les yeux dessus.